Hector, l'homme extraordinairement fort. Dans un pays plat et venteux, bien loin de tout et au milieu de nulle part, se trouve le cirque extraordinaire. Si ce cirque est extraordinaire, c'est qu'on y trouve plein de gens extraordinaires. Ricky, l'homme extraordinairement petit. Gontran, l'homme extraordinairement marrant. Mireille et Mireille, les deux sœurs extraordinairement pareilles. Clotilde et Roland, le couple extraordinairement volant. Gédéon, l'homme extraordinairement dompteur de lions. Léonard, l'homme extraordinairement dompteur de léopards. Léopoldine, la ballerine extraordinairement divine. Et enfin, il y a Hector, l'homme extraordinairement fort. Hector est capable de choses époustouflantes. Comme soulever à la seule force de son index deux machines à laver de linge mouillé, ou bien encore tirer à la seule force de ses dents une charrette bondée d'éléphants. Pourtant, une fois son numéro terminé, Hector est un homme discret, voire distant. Il a installé sa caravane à l'écart, loin des regards, car il a un secret. Plus que tout, Hector aime tricoter et faire du crochet. Des points, il en connaît plein. Maille à l'endroit, maille à l'envers, de l'angora ou du mohair, de la laine ou du coton, le tricot, c'est ma passion. Sa collection privée vaut tous les musées. Couverture hydratante torsadée en soie et cachemire, coussin chauffe-pied en zigzag ajouré, chaussettes thermoactives en pointe croix angora, bermuda côte anglaise dynamisante en fil de bambou. Napperon délicat en fil de nylon pour toutes les occasions. Cache-nez discrétion assurée en acrylique et jersey. Et enfin, le chef-d'œuvre d'Hector. Un tricot exceptionnel pour celle qu'il aime. Léopoldine, elle est tellement jolie. Léopoldine aussi est amoureuse d'Hector. Pour elle, il tente les tours les plus extraordinaires. Mais en coulisses, Hector fait des jaloux. Extraordinairement fort, il commence à nous courir sur le haricot avec ses biscottos, le Hector, répètent Gédéon et Léonard, excédés. Un soir, à la fin du spectacle, les dompteurs provoquent Hector. Alors Hector, c'est qui le plus fort? Face à nos félins, tu fais moins le malin. Serais-tu capable de les affronter à bras nus? Non merci, ça ne m'intéresse pas, répond Hector, et il s'en va. Léonard et Gédéon le regardent s'éloigner d'un air ahuri. L'homme extraordinairement fort qui refuse le combat, voilà qui est louche, s'étonne Léonard. Je dirais même que ça cache quelque chose, dit Gédéon. Intrigués, les dompteurs décident d'épier Hector. Hector, lui, ne se doute de rien. Dans sa cachette, il s'est déjà mis à l'ouvrage. Gédéon et Léonard, quand ils le voient, n'en croient pas leurs yeux. Bah ça alors, qui aurait pu deviner? Dit Gédéon en ricanant. Quand on va raconter ça aux autres, tu verras. Fini les Hector par-ci, Hector par-là, poursuit Léonard. On va le ridiculiser. Dorénavant, ce sera Hector, l'homme extraordinairement toqué du crochet, marteau du tricot, dit Gédéon. À la nuit tombée, Gédéon et Léonard se faufilent à nouveau chez Hector. Il n'y a pas un bruit, seulement le sifflement du vent, le chant lointain des crapauds et parfois un ronflement extraordinairement fort. Tout doucement, Gédéon et Léonard soulèvent la trappe, s'engouffrent dans la cachette et s'emparent de tous les tricots. Ces petits tricots, on va lui en faire une belle expo, petit coco. Le lendemain matin, quand Hector prend le chemin du chapiteau, le vent est frais, les feuilles tourbillonnent drôlement. Tout à ses rêveries, il n'aperçoit pas l'attroupement au loin. Quand il arrive à l'entrée du cirque, de curieuses sensations s'emparent d'Hector. Ses mollets se mettent à trembler, ses biceps à dégonfler et ses moustaches à frissonner. Là, étalé sur le chapiteau, aux yeux de tous, Hector découvre ses tricots. Léonard et Gédéon le pointent du doigt en riant. « Et voilà, mesdames et messieurs, l'auteur de ces magnifiques ouvrages !» Hector, l'homme que vous pensiez extraordinairement fort, est en réalité l'homme extraordinairement toqué du crochet. Marteau du tricot. Hector est humilié. Mais soudain, le vent se fait de plus en plus fort. Il siffle.
reflets soufflent, les branches s'agitent. Une tempête s'abat sur le cirque extraordinaire, emportant tout. Les tricots, les chapeaux et même le chapiteau. Quand le calme revient, tout s'est envolé. Léopoldine, ne voyant plus Hector, s'inquiète et se lance à sa recherche. Ah oh, mon Hector, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Quand Léopoldine retrouve enfin Hector, il est assis devant sa caravane, le cœur gros. Entre ses mains, il tient un petit tricot. « Tenez, Léopoldine, c'est le seul qu'il n'ait pas pris. Je l'ai fait spécialement pour vous. »« Oh, un tutu à pompons !»« Merci, Hector, il est magnifique !» Léopoldine se jette dans les bras d'Hector et lui glisse un tendre baiser. « Grâce à vos talents, Hector, le cirque peut être sauvé. Apprenez-nous à tricoter !» Sans perdre un instant, Hector et Léopoldine retrouvent le reste de la troupe pour une leçon de tricot improvisée. Maille à l'endroit, maille à l'envers, de l'angora ou du mohair, de la laine ou du coton, le tricot, c'est notre passion. Depuis ce jour, le public vient de partout pour assister au spectacle du cirque extraordinairement doux. Hector et Léopoldine ne se quittent plus. Quant à Gédéon et Léonard, on ne les a jamais revus. Il paraît qu'ils courent toujours à la recherche de leur nouveau costume.